Shalom, everyone, and welcome to our webinar on the topic of community building. Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à notre événement sur la construction de la communauté en époque du coronavirus. Je suis Taylor Reuben, directrice adjointe de ma sortie Olami, aussi celle qui vous a envoyé tous les courriels. Avec l'Assemblée rabbinique, nous sommes très enthousiastes de voir combien de personnes de nos communautés dans le monde entier se joignent à nous aujourd'hui. C'est inspirant de voir tout le monde se rassembler à une seule communauté pour apprendre comment les grandes fêtes dans des, comment aborder les grandes fêtes dans des circonstances aussi différentes. Avant de commencer officiellement, j'aimerais prendre une minute pour vous expliquer brièvement la fonction de traduction Zoom, afin que vous puissiez entendre la traduction simultanée en anglais, en espagnol ou en français. L'un de nos intervenants, le rabbin Alejandro Abruch, s'exprimera en espagnol et les autres en anglais. Il est donc très important que même les participants anglophones suivent cette instruction. En bas de votre écran, où vous voyez tous les contrôles et réglages, vous verrez un réglage appelé « Interprétation avec l'image d'un globe terrestre ». Vous devrez cliquer sur ce paramètre qui vous donnera alors toutes les options entre langues, veuillez sélectionner le français. En outre, vous verrez l'option Mute Original Audio, qui est une fonction qui coupe le son du haut-parleur principal et vous permet d'entendre uniquement l'interprète. C'est à vous de décider si vous voulez garder cette option activée ou désactivée, mais vous pouvez changer d'interlocuteur tout au long des discussions. Enfin, si vous avez des questions, veuillez les soumettre dans la boîte de discussion, le chat. Nous sélectionnerons les questions à lire à haute voix lors de notre session de questions-réponses qui aura lieu plus tard, si nous avons le temps. Et maintenant, j'ai l'honneur de passer le micro à notre ami et partenaire, le rabbin Jacob Blumenthal, pour commencer l'événement. Merci, Teila. Merci pour tout ce que tu as fait pour organiser cet événement aujourd'hui. Nous sommes très contents d'être tes partenaires. Et je voudrais aussi remercier Mauricio Bolter, le directeur exécutif, et aussi le rabbin Elishain, président et même membre de ma sortie Olami. Je voudrais vous remercier tous. Je voudrais faire une brève introduction, mais j'aimerais bien de vous remercier. Il y a beaucoup de personnes de partout dans le monde, alors je vais vous demander de respirer lentement et sentir la relaxation de votre corps. Alors, respirons ensemble et après, laissez l'air sortir lentement. La raison pour laquelle je vous demande de faire ceci est que je crois que c'est un moment pour nous d'abandonner l'anxiété, la peur et nous soigner. Et une partie très importante de nous soigner, c'est de faire des respirations profondes. Aujourd'hui, nous pensons sur ce qui a été dit en hébreu, tout le monde est très, très près les uns des autres et il ne faut pas avoir peur. Ma question est, qu'est-ce qu'il y a à chaque côté de ce pont? Je pense qu'il y a le passé et l'avenir dans ce pont. Et nous sommes sur le pont dans chaque moment entre le passé et l'avenir. Le passé est une chose que nous avons pour l'inspiration. Nous regardons d'où nous venons pour avoir l'inspiration, la connaissance. L'avenir doit être un espace d'espoir, un meilleur lieu pour nous tous. Et nous avons
je crois que le défi que nous avons abordé dans chaque communauté, comme leaders, comme des rabbins, sont des défis très difficiles. Alors, nous sommes sur le pont, nous savons qu'il y a la peur et qu'est-ce que nous pouvons faire? Et notre temps ensemble aujourd'hui va montrer l'une des meilleures manières de le faire. Être ensemble, savoir que nous ne sommes pas seuls. C'est un pont étroit, mais il y a beaucoup de personnes parce que nous sommes ensemble entre le passé et l'avenir, entre un passé que nous pouvons voir pour inspiration. Et en ce moment, c'est un moment d'incertitude et nous devons utiliser nos savoirs pour pouvoir faire face à l'avenir. Les présentations d'aujourd'hui vont nous inspirer notre pensée pour avancer en tant que communauté dans ces moments si difficiles. Il y aura l'idée qui vont marcher pour la communauté immédiatement ou il y aura d'autres idées qui vont changer notre manière de penser ou simplement il y aura des sources d'inspiration des leaders qui sont là pour aider leur communauté, pour donner de la fortitude dont nous avons besoin dans nos communautés. Je voudrais vous rappeler quelque chose dont nous avons parlé la semaine dernière. En tant que mouvement, nous ne sommes pas définis parce que nos communautés sont identiques. En fait, j'ai voyagé partout dans le monde avant la pandémie et une chose qui a été très inspirante pour moi, ça a été que chaque communauté est différente et unique. Mais nous tous partageons les mêmes. Nous comprenons que nous pouvons évoluer dans le temps et l'espace pour satisfaire les besoins du peuple juif. Et c'est une idée très, très forte qui va être là pendant nos discussions. Nous sommes dans un moment unique pour partager, pour engager les Juifs, pour satisfaire les besoins des Juifs dans ces temps difficiles. Tous les gens partout dans nos communautés peuvent sentir la présence des autres. On peut avoir être juif, mais être différent pour chacun d'entre nous, mais nous partageons le même but, la même connaissance et le judaïsme est un espace pour inspiration pour nous tous. Nous avons trois participants aujourd'hui qui vont parler, ils vont donner leurs commentaires et nous vous demandons de faire de poser vos questions. Et après la présentation de chaque des présentateurs, nous allons répondre les questions. Aujourd'hui, nous avons 75 minutes pour le faire. Alors, on a une heure à partir de maintenant. Maintenant, je vais donner la parole à Guido Cohen, le rabbin Guido Cohen, qui va parler de la construction des communautés dans ces moments difficiles. Il est originaire de Buenos Aires. Il a servi à Colombie pour 4 ans. Et avant ça, il était à Tarbut, l'une des écoles juives les plus importantes d'Amérique latine. Il fait partie du rabbinat de Buenos Aires. Il est marié à Daphna et il est le père de Tobias. Alors, Rabbin Cohen, merci Rabbin Blumenthal, je suis très heureuse d'être ici. C'est la première fois que je suis dans un Zoom qui va être traduit dans beaucoup de langues. Il y a toujours une première fois dans la vie, n'est-ce pas? Alors, je vais parler sur la communauté, le développement de la communauté
dans le temps, à l'époque du coronavirus, maintenant que nous sommes près des fêtes, de nos grandes fêtes, je crois que nous, les rabbins et les leaders, et les laïcs et les professionnels, nous devons toujours penser que ce que nous faisons, c'est de développer la communauté, le développement communautaire. Quelle est notre activité principale? Notre activité, c'est les rapports et la création de communautés. Parfois, on se sent confondu, confus. Pour nous, nous voyons une caméra, on voit la production, les caméras et tout ça pour les Zoom, et on se sent différent, mais nous sommes en train de construire, de développer la communauté. C'est la manière dont nous pouvons le faire maintenant. Nous sommes des rabbins et des leaders qui connectent les gens entre pour créer une chose plus grande que l'addition d'individus, que la somme d'individus. Alors, quand je parlais avec d'autres collègues sur les plans pour les fêtes, nous nous avons dit qu'il fallait rompre la dichotomie entre les gens qui et les services de streaming, et si nous pensons que la seule réponse à ce contexte où l'on ne peut pas atteindre le shul, c'est ça le Zoom ou Facebook Live, si l'on pense qu'il y a une seule possibilité, il y aura des problèmes avec, en ce qui concerne la création de communautés. Je ne sais pas combien d'entre vous regardent les services en ligne ces jours. Mais si vous parlez avec les gens qui regardent en ligne, je parlais avec un membre l'autre jour, elle disait, les services étaient très, très beaux, j'étais en train de cuisiner, je pouvais regarder le Kabbalat Shabbat pendant que je cuisinais. Alors, on fait les sons et tout ça, elle était en train de cuisiner. Ce n'est pas la manière dont on va construire une communauté. Pour développer la communauté, je dois faire partager les gens et les inviter. C'est un moment pour promouvoir les choses. C'est le moment de donner aux gens les outils pour qu'ils puissent avoir leur expérience. C'est le moment que j'aimerais appeler. Je dois dire des choses en hébreu, mais quand on parle du Ishmael dans la lecture de la Torah, attendez Ishmael du lieu dont il parle. Nous connaissons les gens, nous rencontrons les gens où elles sont, les personnes où elles sont. Nous pouvons leur donner. La question doit être, dont ils ont besoin? Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de diffusion en direct ou en ligne, mais il y a d'autres qui n'ont pas besoin de ça, qui ont le besoin de voir les autres. Il y a des gens qui viennent au shul pour être vus. Vous savez qu'il y a ceux qui ont beaucoup de choses pour les gens, pour pouvoir voir les autres, et la diffusion en ligne ne va pas l'aider. Alors, je voudrais vous montrer ce que nous faisons et après je vais continuer à parler d'autres choses. Maintenant, je peux partager mon écran avec vous. Ici, la communauté. Ici, le menu des différentes choses que les gens pourront voir différemment. L'activité principale va être, nous n'avons pas à voir, il y aura les streaming, mais aussi
un auto-cinéma, c'est-à-dire un cinéma où les gens pourraient voir. Ça va être mobile. Nous avons eu d'expérience avant. C'est très sûr parce que les gens vont rester dans leur voiture pour regarder. Alors, ils peuvent y aller avec leur voiture comme s'il s'agissait d'un cinéma. Et aussi, il y aura l'opportunité de venir au principal sanctuaire. Dans quelques pays, c'est impossible, c'est interdit. Mais nous allons ouvrir les portes de nos sanctuaires pour que les gens puissent venir prier là. Les gens vont sentir qu'ils sont en rapport avec les bâtiments, disons, les sanctuaires. Il y aura les bar mitzvah, il y aura la connexion individuelle avec Dieu. Et de la partie spirituelle, il faut explorer ces possibilités comme une option pour trouver ça pendant les... C'est-à-dire la prière individuelle. Et « not so far from you » en anglais, c'est-à-dire « pas loin de vous ». Il y aura des moments de chauffard et des prières dans les différents endroits. Les gens pourront voir les rabbins, pourront entendre les chauffards. Je sais qu'il y a des gens qui ont la préoccupation du chauffard sur Zoom. Je crois que les gens ont besoin de voir, d'entendre. Il y aura des services en ligne aussi. Il y aura des différentes possibilités pour voir. Il y aura pour tout le monde. Et enfin, je crois que c'est très important. J'ai 2 minutes. Nous allons avoir une expérience virtuelle pour que les gens puissent interagir, pour l'interaction. Ils doivent voir, ils pourraient dire Shana Tova aux autres pour avoir tout le monde prêt pour Yom Kippour. Il y aura l'appel à la Torah pour Yom Kippour et nous étions entre les premières synagogues qui ont fait un Zoom. Nous avons trouvé la manière d'amener les gens pour Aliyot. Le danger de cette expérience en ligne à Facebook et YouTube est qu'elles vont éviter l'interaction et je crois que l'interaction est ce qui est le plus important ici. J'ai seulement une minute, et je voudrais dire que les plus petites choses sont celles qui vont construire la communauté. Ce qui est très important, ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les commentaires que les gens laissent là après le Shabbat. Quand quelqu'un dit que ceci a été si important parce que j'ai fait une prière pour mon cousin peut-être et il a laissé le nom là, je peux appeler et dire comme il va. Si je ne fais pas ça, alors je ne suis pas en train de développer la communauté. Ici, il y a mon collègue. Je crois que comme il est là, je crois que celui-ci a été le meilleur service en ligne en Amérique latine. Je regarde ces services. Et quand je me suis demandé qu'est-ce que je vais donner à mes membres, les membres de ma communauté, pour qu'ils peuvent se connecter à mon service et pas à le leur, pourquoi ils vont choisir Aventure au lieu d'Amichai à Buenos Aires? Je dois vous dire que la différence est qu'ils sont mes gens et quand j'appelle quelqu'un, je leur dis, je sais que nous pouvons faire le Kaddish via Zoom. Ils ne vont pas choisir
la meilleure performance, mais celle qui est la plus proche avec leur rabbin. Ilan m'a invité au Zoom. Je ne vais pas vous raconter l'histoire du fromage, mais la semaine dernière, une femme m'a appelée, elle m'a dit, rabbin, je suis si triste. Je ne peux pas visiter mon mari au cimetière. Et ce jour-là, il y avait un funérail. Après ça, je suis allée au cimetière pour voir son mari. Et j'ai fait une photo et je lui ai envoyé la photo. Et la femme n'était pas préoccupée par la qualité de la transmission ou la diffusion en ligne, mais elle se sentait proche de la communauté. J'ai une voix qui était là. J'étais là pour la représenter, pour la connecter avec la personne avec laquelle elle était. Mon conseil, c'est d'être connecté avec vos communautés, faire des appels téléphoniques, les trouver où ils sont. J'ai fini. Merci. Merci, Rabbin Cohen. La créativité est très importante et nous l'apprécions. Et vous vous rappelez que la communauté est développée une personne parfois, un rapport parfois, et ce que vous avez dit, c'est vraiment ça, d'être connecté avec les membres de nos communautés. C'est très important que vous nous rappelez ça en ce moment. Maintenant, nous allons donner la parole au rabbin Aviva Feldman. Elle est dans la communauté à Israël. Elle a fait ses études religieuses à Pittsburgh. Elle a été ordonnée dans un séminaire en 2012. Elle est une graduée d'études rabbiniques en 2014. Aviva fait partie des services de la communauté. Elle travaille avec les dépourvus. Elle enseigne le judaïsme et la Torah dans les universités et des programmes d'études. Elle travaille pour éviter les barrières et pour incorporer l'inclusion. Aviva, nous sommes très ravis de t'avoir ici. Elle va parler avec nous sur l'adaptation de la liturgie dans ce moment. Merci, Rabbin. Comme la Torah, les mots que nous récitons chaque jour, chaque semaine et chaque année prennent de nouvelles significations et notre compréhension et la manière dont nous y référons change à fur et à mesure que la situation évolue. Ceci se passe aussi avec la liturgie. Dans les dernières semaines, dans la Torah, la colère de Moshe, le fait qu'il a frappé les rochers, peuvent nous faire découvrir comment nous pourrions réagir à la COVID avec des frustrations, avec un stress supplémentaire sur nos épaules. Lorsque Dieu a dit à Moshe et Aaron qu'ils n'entreront pas dans le pays qui leur a été promis, j'entends que nous, les dirigeants, sommes ceux qui doivent donner l'exemple au peuple. Nous pouvons entendre un appel pour que les dirigeants et les clergés de nos communautés soient les boussoles morales de nos congrégations. Il faut être l'exemple, montrer la sécurité. Et nous sommes humains et imparfaits, et nous sommes obligés de faire de mieux. Et nous devrons être des dirigeants plus efficaces. Quand nous lisons l'histoire des filles de Zelophehad, nous pouvons entendre comment nous devrions utiliser nos voix pour défendre les droits de l'homme et faire entendre les voix des marginaux. Et lorsque nous disons le Brit Shalom de Pinchas avec Dieu, une alliance de paix qui est incomplète, nous sommes appelés à poursuivre cette œuvre sainte commencée par nos ancêtres à l'époque biblique.
pour essayer d'apporter notre monde de paix, une paix qui est encore divisée et incomplète. Il en va de même pour notre liturgie. Nous voulons stopper la propagation du virus et c'est pour ça qu'il faut faire les choses en ligne. Quelques tefilotes ont été changées. Il y a un psaume spécifique pour la pandémie. Il y a des prières de Naomi Levy sur la douleur et la guérison. Et nous avons emprunté des prières d'autres personnes, d'autres religions qui parlent de ce que nous ressentions. L'une de mes préférées, c'est des sœurs de Louisville sur de l'Église catholique historique. C'est une prière pour la pandémie. Nous qui sommes inconfortables devons nous rappeler de ceux qui sont en péril. Nous ne devrions être un facteur de risque pour les plus vulnérables. Nous avons le luxe de travailler de chez nous et alors devons penser aux autres. Nous devons avoir la flexibilité de soigner nos enfants qui doivent être chez nous et pas à l'école. Nous sommes en train de perdre de l'argent, mais il faut rappeler ceux qui n'ont pas de marge et ceux qui doivent rester chez soi. Nous devons nous rappeler de ceux qui n'ont pas de foyer. Dans ces moments où nous ne pouvons pas nous embrasser, il faut trouver la manière d'embrasser les autres. Amen. Et comme les jours semblaient se mélanger et nous ne semblions pas plus près de nous réunir en personne qu'auparavant, nous sommes retournés à chercher Lyon parce que nous avions besoin et envie de cette structure pour nos journées. Cette même approche est valable pour les fêtes où nous avons besoin de quelque chose de et des familiers, mais le sens pourrait changer. Il y a Alev, un poème médiéval, fait partie de ça. Il y a Alev Kolei Noume Erev. Que nos voix s'élèvent le soir. Mais c'est plus que ça. C'est un appel pour pouvoir bientôt chanter ensemble, en élevant littéralement nos voix dans la prière et les chants ensemble. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Une autre kavanot dont nous avons besoin, et je voudrais montrer à ma communauté, il y a des parents qui ont beaucoup d'enfants, il y a une collection d'une mère des années 50, une prière pour les pères qui sont irrités. Les enfants font beaucoup de bruit. Ils font des choses ensemble. Ils pleurent. Ils font des bruits. Ils sont très... Que Dieu bénédit les enfants qui sont bien et que nous puissions comprendre et éviter l'intolérance. Donne-moi une nouvelle paix qui soit meilleure pour les autres. Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Comment faisons-nous pour nous connecter, pour être plus connectés avec notre judaïsme? Nous continuons à lever nos voix et nos prières et nous rejoignons nos communautés pour le faire ensemble. Je voudrais terminer en abordant un autre thème du Chagim qui est issu dans nos prières, Tshuva, le repentir. On conseille aux rabbins de faire les sermons qu'ils veulent ou doivent entendre. Voici donc la version courte de l'un des miens. Cette année, lorsque j'entends tant de personnes dans notre communauté demander que les choses reviennent à la normale, je me retrouve à vouloir crier que la normale n'a jamais été
bien. Le monde que nous avions avant n'était pas bien et vouloir qu'il revienne n'est pas bien. Robin Hobb a écrit « Chaque cercle est un cercle en soi. Chacun semble être une chose nouvelle, mais en vérité, ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'une de nos plus récentes tentatives de corriger les vieilles erreurs pour réparer de vieux torts qui nous ont été faits. À chaque cycle, nous pouvons corriger des vieilles erreurs, mais nous pouvons aussi faire beaucoup de nouvelles erreurs. Nous voulons commettre à nouveau les mêmes vieilles erreurs. Peut-être qu'avoir le courage de trouver une meilleure voie, c'est avoir le courage de risquer de commettre de nouvelles erreurs. Nous sommes des êtres humains et des leaders, mais comme Moshe en ce temps de fête, nous devons être prêts à prendre de nouveaux risques, à faire de nouvelles erreurs et à lutter pour un monde meilleur. C'est ça. Merci beaucoup, Rabbin Feldman. Très beau, très inspirateur. Maintenant, nous pouvons créer de nouvelles prières et exprimer des prières autour des nouveaux défis et prendre aussi la liturgie qui existe et lui donner de nouveaux sens. Les deux choses nous demandent d'avoir des capacités d'être des leaders. Maintenant, je voudrais présenter Rabbin Alejandro Abruch, qui a gradué du séminaire rabbinique de l'Amérique latine à Buenos Aires, avec un master en éducation rabbinique de l'Institut de Jérusalem. Il a aussi étudié au GTS. Il est le rabbin de la congrégation Amichai à Buenos Aires et d'après 2017, il est le président de la région latino-américaine de l'Assemblée rabbinique et représentant dans le mouvement Massorti. Rabbin Abruch, merci beaucoup. Notez, Rabbin Abruch va parler en espagnol, alors vous avez l'interprétation simultanée pour l'anglais et le français. Hola, buenas tardes, buenos días para todos. Gracias Bonjour, por la invitación. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Merci Jacob, Aviva, Teila, Mauricio. Merci Guido pour tes commentaires. Sin duda, acuerdo 100% con vos. Et je suis d'accord avec toi, les communautés, c'est les liaisons, c'est les rapports, c'est l'union des âmes. Ce temps l'a démontré que ce n'est pas les bâtiments ou la chanson que l'on chante, mais les liaisons, les rapports que nous avons. Je dois vous dire que l'idée de parler en espagnol, quand on a préparé cette événement. Je croyais que c'était très important de parler dans ma langue maternelle de ce côté du sud du monde. Et comme nous connaissons, nous sommes un mouvement global, c'est important de partager dans notre langue l'espagnol. Inspiré par la paracha de cette semaine, il y a 11 fois dans cette paracha le concept de l'endroit où l'on peut faire les tfilas, le lieu sacré. Le texte répète beaucoup de fois qu'il y a plusieurs cérémonies, les pèlerinages, etc. Il dit Hachem. À l'endroit où Dieu va t'indiquer, il ne dit pas quel est l'endroit. Dieu va l'indiquer. Et cette année, parmi nous tous, nous avons dû aider nos gens de construire les Mishkan chez soi. Ceci parle sur notre créativité et aussi sur l'opportunité que nous avons en tant que leaders, volontaires, nous et nos familles,
nous pouvons faire que nos familles sentent que notre foyer est un sanctuaire. Pas nécessairement, ils auront le téléphone sur les spaghettis, mais c'est important de dire à nos familles que chaque foyer peut être un sanctuaire. Je ne vais pas entrer sur la halakha. Je voudrais parler avec vous sur quelque chose dont on pense avant Yamim Noraim pour avoir l'esprit pour que le foyer, la maison, soit le temple. Il y a une chose qui nous a fait tous égaux. D'une manière ou d'autre, nous avons senti la solitude. La solitude, la distance. Il y a plusieurs gens qui sont seuls et qui ne peuvent pas être proches pour les tfilas avec d'autres personnes. Même avant l'isolement, il y avait beaucoup de gens qui étaient tout seuls. Avant le confinement. Et alors, maintenant, nous savons ce qu'on sent. Il y aura des gens qui vont être seuls, mais pas proches à nos temples à cause de la distance géographique, à cause des problèmes de santé ou parce qu'ils ne peuvent pas sortir d'un foyer ou peut-être ils ne peuvent pas sortir de chez eux parce que il fait froid, je ne sais pas. Alors, c'est une opportunité pour nous tous pour commencer à penser comment nous pouvons construire un sanctuaire chez nous, à la maison, et nous nous rendons compte que la solitude, la première chose qui n'est pas bonne dans la création, c'est ça, que l'homme soit seul. La communauté est le meilleur antidote pour les virus de la solitude. Dans cet esprit, nous sommes en train de développer beaucoup d'initiatives pour transformer ce lieu. Par exemple, maintenant, nous avons demandé à tous les gens qui ont un chauffard chez eux, nous avons créé une classe pour qu'ils apprennent à souffler les chauffards. Et pendant le mois de Elul, nous avons avoir des vidéos avec des chauffards des familles pour être préparés pour les grandes fêtes. Il y aura quelqu'un qui va souffler les chauffards dans les maisons. Est-ce qu'on peut souffler les chauffards par l'ordinateur? Est-ce que nous sortons de la chova si nous l'entendons sur Zoom ou directement? C'est une bonne question. C'est très intéressant, mais je ne vais pas discuter la halakha. J'ai ma propre manière d'en penser. Quand nous ne pouvons pas faire les choses comme nous voulons, il faut le faire comme nous pouvons. C'est ce qui s'est passé quand le paradigme a changé et la réalité de chaque communauté juive a changé pendant les siècles et voici notre contribution. Pour continuer avec la vie du judaïsme, nous allons demander les gens qui ont un chauffard chez eux qu'ils nous envoient leurs vidéos en soufflant le chauffard pour les partager. Et il y aura aussi des classes en ligne pour qu'ils puissent préparer leur maison, les différentes classes, les jours de la tfila. Ce qui est important, c'est pas d'être habillé également, mais différemment. Avoir peut-être l'ordinateur dans un lieu en particulier, avec une image en particulier, pouvoir avoir les lumières plus bas. Il faut savoir quelles sont les lumières qu'il y aura à voir pour Rosh Hashanah ou Yom Kippour. Ils doivent savoir qu'ils doivent s'habiller différemment et pas comme on est tous les jours. Une autre classe tutorielle, c'est les bénédictions avant le tfila, avant le
en ligne. Par exemple, supprimer, on va envoyer une explication aux familles et aussi il y a des bénédictions pour tous. Avant les comel, avant les tzitzit, avant boire un verre d'eau, nous avons à avoir une bénédiction avant la tfila. Peut-être avec un tutoriel très bref, très spécifique pour que les gens puissent avoir leur bénédiction avant d'entrer dans la tfila. Et aussi, nous sommes en train de développer un marsor en ligne. Il y avait une question. Ceci va être disponible en espagnol aussi pour être partagé. Et aussi, nous allons envoyer un tutoriel pour qu'ils puissent commencer à préparer à travers Zoom pour avoir aussi avec des cours tutoriels, il y aura les différentes manières de faire le Rosh Hashanah avec les bénédictions, les différents plats à manger pour que les gens puissent les suivre, les repas et tout ça. Et aussi un tutoriel pour aider les gens à se préparer avant Kippour, les choses qu'ils peuvent faire pendant le jour de Kippour, et les interdits aussi. Une chose que nous avons discuté aussi sur Tashlich, nous pensons à un Tashlich important dans l'un des parcs de la ville où il y a des lacs, et les gens pourront venir et le chauffard en présence. Et aussi, avant Kippour et avant la deuxième nuit de Rosh Hashanah, nous sommes en train de nous préparer pour la méditation. La deuxième nuit de Rosh Hashanah, nous proposons une fila complètement différente. La première est traditionnelle, que nous connaissons tous. Mais la deuxième nuit, il y a quelques années, nous avons proposé une expérience de méditation. Nous savons que c'est très bref, très courte, mais ce qui est important de la tfila, c'est le format de méditation, la manière dont on s'habille, sans marsorim, avec des bougies. Il y aura des chansons, des mélodies, des travaux avec la respiration et les images de la méditation pour entrer dans les concepts les plus forts. Et pour ça, il y a une préparation par rapport à comment on s'habille, la respiration et tout ça. Ceci est un rapport en ce qui concerne la préparation de la vira, le climat dans la maison, pour que les gens qui sont seuls chez eux se sentent accompagnés par la communauté parce que nous sommes en train de faire les mêmes choses pour entrer dans les moments de tfila. Et nous avons aussi avoir une chose que nous avons décidé, chaque communauté va décider, nous n'avons pas avoir des activités présentielles, même s'ils permettent 30 ou 20 personnes, nous avons décidé de faire tout via diffusion en ligne. Il y a en Argentine une ouverture lente du confinement à cause des problèmes économiques et aussi, mais le problème n'est pas résolu en Argentine. Nous sommes dans le pic de la pandémie. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de contagions. Alors, il ne serait pas responsable d'ouvrir les temples même pour 10 personnes. Nous n'aurons pas risqué la santé des gens en ouvrant. Alors, c'est aussi une mesure égalitaire.
parce que si l'on ouvre, qui seraient les 20 ou 30 personnes qui pourraient entrer dans le temple? Ça serait, il y aurait des gens qui seront laissés à côté à cause de leur âge ou de leurs risques. Et alors, on a décidé de rester fermé. Et nous invitons à nos Keilas à participer à différents moments de Kabbot pour l'aperture de l'arche. Mais nous n'allons pas le faire de manière présentielle. Nous allons nommer les familles qui vont ouvrir symboliquement dans un moment ou l'autre. On va donner les noms des familles et nous allons leur dédier cet alia pour y inclure toutes les familles de la communauté pendant la cérémonie. Et après, enfin, nous demandons les familles de nous donner le nom des personnes qu'ils veulent se souvenir. Tous ceux qui ont perdu une personne de la famille dans cette année, nous allons les nommer et ceux qui veulent participer vont apparaître à ce moment. Et il en va de même avec les moments de refoi. La première alia de Mincha, nous dédions aux personnes qui sont en train, qui sont malades. Et toutes les personnes qui sont malades ou qui ont un ami malade peuvent être là. Il y aura des centaines de personnes. On peut mettre les CFR au milieu et il y aura beaucoup de gens seulement pour cet alia. C'est un moment de beaucoup de spiritualité, beaucoup de force à faire et nous allons les discuter. Nous allons mentionner les... C'est très intéressant de voir ce qui se passe avec les commentaires pendant les cérémonies. Les gens se saluent. Ils envoient les noms des personnes dont ils veulent se souvenir. Ils disent où ils sont dans le monde. C'est très intéressant de voir la manière dans laquelle les gens commencent à se connecter, même dans ce monde virtuel pendant la cérémonie. Et enfin, une autre chose que nous allons faire, c'est essayer pour Yom Kippour, entre Shacharit et Mincha, nous allons avoir une série de shiurim qui vont être enregistrés avant. C'est beaucoup d'heures dont les gens vont rester chez eux et nous allons leur offrir beaucoup de choses dont ils auront accès pour étudier. Il y aura différents rabbanins qui vont partager avec nous leurs pensées, leurs réflexions sur Yom Kippour, les Tshuva, Tefila, etc. Il y aura des différents blocs d'études et les gens pourront choisir. Et au lieu de faire une autre chose, ils vont être inspirés par les rabbanim et leur présentation. Pour conclure, je crois que nous avons une opportunité devant nous. Les choses difficiles doivent être une source d'inspiration. Et dans cette opportunité, il faut travailler pour que cette expérience de rester chez soi soit spirituelle et positive, qu'ils apprennent à les faire et qu'ils se sentent accompagnés. Et si on doit traverser la solitude, ça peut devenir une opportunité pour ces rencontrer entre nous, avec la communauté qui va être là en attendant les fêtes. Thank you, Rabbi Avruch. Merci, Rabbin Avruch. Il y a les différentes idées que vous nous avez offertes pour éviter la solitude, pour
Il y a beaucoup de choses, beaucoup de rituels que nous pouvons faire dans la communauté ou être une source d'inspiration avec les vidéos et la diffusion en ligne pour donner ce sentiment de connexion. Et je crois qu'au même moment, vous dites que nous avons la capacité de créer des moments de méditation spirituelle chez nous. C'est très important. C'est le travail que dont nous avons besoin. Encouraged in the past. We've been so et nous voulons vous inviter, et après on pense à inviter les gens dans la synagogue, mais aussi leur aider à avoir de lieux pour être dans cette réflexion, cette méditation spirituelle dans leur foyer chez eux. Il y a des questions qui ont été posées. Il y a une question sur les marsors. Quels sont les livres de prière qui vont être disponibles de manière électronique ou physique? Il y aura beaucoup de possibilités. L'Assemblée rabbinique est en train de faire des livres de prière en anglais et en hébreu. Et nous pouvons vous dire comment avoir accès à ça. Et il y aura aussi une version disponible en espagnol. Seminario nous aide à le faire avec Masorti Olami. Et il y aura beaucoup d'informations sur ça. Masorti Olami va les distribuer. Il y a beaucoup de congrégations qui prennent le Matsorim et le donnent aux membres de la communauté. Comme ils étaient là avant la pandémie, ils ont trouvé la manière de l'envoyer pour que les gens puissent l'avoir chez eux, pour l'utiliser pour les prières individuelles ou pour prières quand ils font leurs prières en ligne. Et aussi l'Assemblée rabbinique les aura disponibles pour inviter la congrégation à l'acheter et l'avoir chez eux, s'ils veulent avoir des copies personnelles. Une question qui apparaît souvent est comment est-ce que vous pensez à créer l'expérience pour votre communauté ou le mettre disponible pour les autres? Comment pensez-vous, quel est le range de la communauté locale? Et aussi la question financière, est-ce qu'il y a des ressources pour les membres de la communauté ou est-ce que ça va être disponible pour d'autres? Je ne sais pas qui voudrait répondre. Peut-être Ravan Cohen, vous voulez commencer? Merci. Je crois qu'en tant que Ravan, je ne devrais penser seulement à ceux qui travaillent pour ma synagogue. Nous sommes tous juifs et je dois diffuser la Torah comme je puisse. Nous essayons de faire que tout soit disponible pour la communauté en général, mais je n'ai pas le but d'avoir les gens de New Jersey regarder mes services, mais la communauté juive du nord de Miami et Aventura, je veux. Et c'est une opportunité pour nous de mettre fin à un modèle obsolète où il faut payer pour prier. Est-ce qu'on est un membre ou pas? Nous ne voulons pas faire cette question. Comment est-ce que vous allez avoir plus de membres dans les shuls? Nous sommes en compétence. Il y a une différence entre Chavada et quand ils choisissent un rabbin, ils ne pensent seulement au nombre de fidèles ou l'argent. Il faut trouver des manières alternatives, des dons, des grands dons. Nous n'allons pas demander les gens de faire des dons pour participer.
Il n'y aura pas un mot de passe pour le stream pour qu'ils doivent payer pour participer. En espagnol et en anglais, il y a beaucoup de commentaires sur les chats et ils parlent de leur communauté. Continuez à le faire. Ravin Selman, votre approche? Nous allons donner un marsorim aux familles. Ils peuvent venir s'ils ont des enfants qui peut-être vont participer dans le service pour les jeunes. Nous allons offrir notre approche sur la halakha entre Rosh Hashanah et Yom Kippour pour qu'ils puissent avoir plus d'activités. Mais nous avons toujours un repas pour les membres et ceux qui ne sont pas des membres, un barbecue. Cette année, ils vont chercher les marsorim. Il y aura d'incentives pour qu'ils soient là. S'ils sont faits d'ordre, il y aura de la crème glacée pour qu'ils puissent. Et il y aura aussi des gens qui n'auront pas la famille qui puissent venir. Nous savons qu'il y a de différentes situations et notre diffusion à l'île pour tous, mais et il y aura aussi une ressource pour les grandes fêtes qui sera pour les membres. Il y a toujours des bénéfices d'appartenir à la communauté, mais aussi nous avons une responsabilité pour la communauté en général, la communauté la plus large. Ravin Abruch, dans notre cas, nous partageons nos activités, nos espaces d'études. Il y a 5 activités par jour d'études et aussi les cérémonies de Shabbat et Chaim. Elles sont gratuites pour tout le monde, mais c'est très différent pour chaque communauté. Nos revenus dans les fêtes sont très importants pour notre budget et ils sont devenus une opportunité de repenser à ce concept. Et nous sommes très heureux de la manière dont notre communauté a compris. Nous ne vendons plus les sièges pour que tout le monde comprenne l'importance de faire le tzedaka annuel, la contribution, pour que la communauté continue à générer les contenus que nous générons pendant l'année. Nous sommes très heureux parce que ceci a été très bien reçu. Il y a différentes étapes. On commence avec les partenaires de la communauté, ceux qui ont participé jusqu'à l'année dernière. Ils ont fait la même collaboration que l'année dernière. Ce n'est pas 4 sièges ou 5 sièges, mais la tzedaka que chaque famille génère chaque année. Et ceux qui ne sont pas associés, devrait avoir l'opportunité de collaborer pour que la communauté continue de générer le contenu. Il y a beaucoup de familles qui nous suivent partout dans le monde et ceci a aussi été très bien compris. Une chose très intéressante est qu'une personne qui partait de notre quartier et n'était plus un associé parce qu'il n'allait pas venir. Mais cette semaine, nous avons de nouveaux associés qui n'habitent même pas en Argentine. Ce n'est pas les quartiers, mais pas même dans les pays. Et ils ont décidé d'associer. Alors, il y a une autre plateforme pour ceux qui veulent participer. Ils ne sont pas associés. Ils peuvent faire une contribution minime qui soit une tzedaka à la communauté pour participer à la cérémonie. Et après, on verra si les services pour Neila vont être ouverts, mais il y aura pour Iscor aussi.
le concept n'est pas que tout le monde doive payer, mais que tout le monde ait l'opportunité de collaborer avec cette communauté ou n'importe quelle communauté pour qu'elle soit capable de continuer à générer des services et des contenus. Et je crois que tout ça a beaucoup de valeur. Il y a beaucoup de gens qui se sentent émus de pouvoir faire cette tzedaka. L'une des choses que j'ai découvert est que les gens veulent être connectés avec l'expérience. Même s'il est ouvert et disponible, ils veulent aller dans leur communauté où ils connaissent les rabbins, ils connaissent la communauté. Quand je visite d'autres communautés, je trouve beaucoup d'expérience, mais c'est bizarre parce que je vois les familles et les autres qui participent dans le service. Et je me rends compte que je n'appartiens pas à la communauté, que c'est une très belle communauté et je peux jouir de quelques prières, mais je retourne dans ma communauté où je connais les rabbins et je me sens connecté. Comme le rabbin Cohen a dit, si l'on veut prier pour quelqu'un qui est malade, quelqu'un va m'appeler pour voir comment cette personne va. Nous devons confier et que les gens vont vouloir l'expérience locale ainsi que l'expérience plus large en ligne. Une dernière question. Quelle est la chose, une chose, quand une personne participe dans vos expériences cette année, quelle est la chose que vous voulez qu'ils sentent, une chose que vous voudriez qu'ils sentent cette année? Une phrase. Ravin Feldman, je crois que cette année, autre, je veux qu'ils sentent qu'ils ont connecté, qu'ils soient inspirés à continuer à grandir. Ils doivent savoir qu'il s'agit d'un voyage, pas une destination. Cette année n'est différente d'autres années. Peut-être il y a ce sentiment, mais le sentiment devrait être le même parce que c'est les mêmes prières et les mêmes Torah, la même Torah. Ravin Abruch. En général, l'expérience va être différente et le fait de sentir que nous sommes en train d'écrire une page de l'histoire, c'est une nouvelle page que nous écrivons. Pas dans toutes les générations, mais dans beaucoup de générations, le peuple juif a été dans ces circonstances où ils ne savaient pas comment continuer avec le tfila, les traditions. Et c'est notre opportunité maintenant. Tout le monde peut sentir que, en se connectant avec la communauté, avec le tfila, ils contribuent à donner continuité, à écrire cette page de l'histoire. Que tout le monde sente qu'ils sont essentiels dans ce moment. Que c'est pas, ce n'est pas égal s'ils sont là ou pas. Ce que je demande est qu'il y ait une chose qu'ils puissent faire différente, une chose qu'ils puissent changer. Si l'on veut changer 8 ou 10 choses, ça ne va pas arriver, mais on peut changer une chose. Alors j'insiste avec cette promesse de trouver une chose qu'ils peuvent changer cette année. Amen. And, Rabbi Cohen. Amen. Ravin Cohen. Je crois que la chose que je voudrais les fidèles d'apprendre, c'est comment, quand
peut changer le quoi? L'essence va rester la même et j'espère voir comment va être le monde après la pandémie. L'autre jour, je disais qu'il y a des gens qui disent que nous changeons le Le Torvador mélodie dans le Shabbat dernier. Et le Shabbat prochain, ils voudraient entendre la mélodie. Je crois que le monde après la pandémie va nous mettre les choses en perspective. Nous n'avons plus pensé à l'argent ou les bâtiments. Ça viendra le moment de reconnecter avec notre essence. La maison, la centralité du foyer et les centres. Si vous croyez que le judaïsme est une chose que l'on peut vivre avec d'après les rabbins, en fait, on doit avoir la vie juive propre chez soi. Je me sens très inspirée par chacun d'entre vous. Merci beaucoup de votre créativité, votre inspiration. C'est très beau d'être sur un pont et de marcher avec les trois rabbins. J'ai mes propres idées pour les sermons et les méditations pour les grandes fêtes. Alors, d'idées pour que notre communauté puisse avoir des fêtes importantes pour eux. C'est très intéressant. Je vais maintenant donner la parole au rabbin Shaim du Canada qui va nous parler pour finir aujourd'hui. Merci beaucoup, rabbin Blumenthal. Je voudrais penser pour un moment sur un film que j'ai vu hier. Un nouveau film qui s'appelle An American People. C'est un film très bizarre. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais l'héros est transporté 100 années dans le futur, dans l'avenir. Et nous parlons de la vie contemporaine. Il n'est pas content avec la vie contemporaine des Juifs. Est-ce qu'on veut être transporté à 100 ans dans l'avenir? On pourrait parler de 25 ans ou même 5 ans. Comment est-ce que nous allons être dans la communauté juive? Est-ce que la communauté va être ressemblable à ce que nous savons? C'est difficile de savoir ce qui va se passer. Dan Quayle, ex-président des États-Unis, a dit: la question est si nous allons aller à l'avenir ou est-ce que nous allons aller au passé. Nous avons parlé du pont entre l'avenir, le passé et l'avenir et du présent. C'est très important de nous soigner et que chaque communauté soit unique, mais nous sommes unis pour avoir les ressources pour satisfaire les besoins de tous. Merci d'avoir modéré cette. Et je voudrais le remercier aussi. Je voudrais remercier Rabin Cohen qui a parlé de la construction de la communauté et pas du bâtiment. Il y a un monde de différence entre aller au shul et la diffusion en ligne, mais il faut se connecter avec les gens. C'est une question de rapport personnel, mais peut-être la diffusion en ligne va faire la différence ou pas. Rabbin Abiba Feldman nous a rappelé que nous avons les textes traditionnels et liturgiques, nous pouvons offrir des prières contemporaines et aussi faire les prières classiques. Et elle a parlé aussi de tshuva parce que le retour au normal ne suffit pas et il faut tenir compte de la société. Et Rabbin Abruch a parlé du travail dans nos foyers pour que la maison soit le sanctuaire
peut-être avec les chauffards pour avoir les rituels chez soi. Et la pandémie nous a fait tous égaux. Nous partageons la solitude et la communauté devient l'antidote pour les virus. Je voudrais remercier les présenteurs. Je voudrais remercier Mauricio Walter, la Tejila Reuben, directrice adjointe, qui a travaillé avec beaucoup de dédication pour que tout le monde participe, pour que acceptez mon invitation pour le prochain événement avec ma sortie Israël. Sera une diffusion en ligne du côté égalitaire septembre, le 13 septembre à 3 heures à New York. Il y aura aussi de la traduction simultanée et nous vous donnerons plus d'informations. Pour tous, je vous désire bonne santé et fortitude pour les Yamim Noraim. Shalom.